Bonjour. Bonjour. Et qui êtes-vous ? Je suis Anita Thomas, professeure documentaliste à Saint-Gab depuis 14 ans. Qu'est-ce que le parcours Blaise Pascal ? Alors, le parcours Blaise Pascal, c'est un enrichissement culturel pour les élèves de 3e et de 2e qui veulent en savoir plus au niveau de la culture générale, d'aller plus loin dans les disciplines qu'on apprend à l'école, d'apprendre à avoir une rigueur de travail et des méthodes de travail aussi bien écrites qu'orales. On va travailler de façon variée avec différents enseignants pour développer toute cette culture pour aller plus loin dans les cours. Quel est l'objectif de ce parcours ? Alors l'objectif, c'est de développer la culture générale, comme je viens de le dire, c'est d'acquérir des méthodes de travail, d'expression écrite et d'expression orale. On va progresser aussi sur les apprentissages scolaires et surtout d'apprendre différemment. À qui est destiné le parcours Blaise Pascal ? Alors ce parcours, il est principalement destiné à des élèves donc de 3e et de 2e qui ont envie d'en savoir plus, qui sont motivés, qui sont curieux, qui parfois peuvent s'ennuyer en classe et veulent donc en savoir plus. Ça peut être aussi des jeunes qui ont envie de faire des études un peu poussées, plus longues. Donc ça permet d'asseoir une culture. Qu'est-ce qui t'a fait rejoindre ce parcours ? Ce qui me fait rejoindre ce parcours, c'est apprendre de nouvelles choses par différents moyens. Par exemple, on va écrire et elle va nous dicter à l'oral. On va apprendre, par exemple, sur des cours qu'on fait, hein, mais différents. Du coup, on est en petit groupe, on va faire des activités sur ça. Et du coup, c'est ce qui m'a fait rejoindre les petits trucs à côté. Qu'est-ce que tu préfères dans ce parcours ? Alors, j'aime beaucoup le fait que ce soit des sujets variés. Et aussi, depuis le début d'année, ils sont vraiment à l'écoute de ce qu'on veut. Par exemple, ils nous ont demandé ce qu'on voulait faire après ce qu'on fait en ce moment, donc de l'histoire. Et c'est plein de sujets variés, donc ça plaît à tout le monde. Qu'est-ce qu'on y fait ? Alors, ce qu'on y fait, on va faire beaucoup de choses. On va passer de l'histoire à de la littérature, on va passer sur des activités, sur des quiz, et puis l'autre séance, ça peut être une autre chose et tout ça. Par exemple, on va compléter des frises, on a une grande frise dans la salle. On va apprendre sur des personnages, voilà. Et après, on a créé une boîte, et du coup, on va mettre des idées dedans. Par exemple, moi, j'ai mis de la philosophie, de la géopolitique, des choses un peu plus poussées qu'on pourrait apprendre là-bas.